Alors on va mettre de l'ambiance. Ouais, 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 ouais. Allez, la, 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 la. Allez, dans un trou d'huile. La, 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 la. Allez, Catherine. La, 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 la. Allez, la, 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 la. Ouais, ouais, ouais. Allez, Catherine. Et on fait tourner les sardines. Oh, c'est bon, ça va, ça va, ça va. J'adore ça. Et puis t'as encore traité tout le monde de trou duc, tu peux pas t'en empêcher. Hein. Bah oui, mais on a toujours dit devant, c'est les trous du cœur. Même jamais. Ouais, bah surtout, Jean-Marc. On le fait, tout le monde le dit dans le métier, Jean-Marc. T'es content? Oui, je suis content. Ouais. Ouais, et lui aussi? Oui, non, lui, on lui dit de fermer sa gueule, bon, s'il te plaît. Il bon. Ferme ta gueule, c'est bien ce que je dis. On va parler de foot. On va parler de foot. Ta un gueule, peu. Je t'ai dit ta gueule. C'est extraordinaire. C'est pas la répétition, ça. Il a aligné trois mots, il est content. On va parler de foot, mon patoche. Ouais, parce que je voulais encourager l'équipe de France. Non, mais ils en ont plus besoin. Oh. Ah si, ils en ont besoin. Hein. Ça fait 10 ans qu'ils en ont besoin. Ça a commencé avec Donnenec, nec, nec, et s'en aller rentrer chez lui avec Estelle Denis. N'importe quoi. Ils sont contents. Ils applaudissent, ils sont contents. Estelle Denis, c'est sa fan. Oui, mais après, il y a eu Laurent Blanc. Laurent Blanc, c'était sa fan. C'est dégueulasse. Lui aussi, il va marcher en canard. Jean-Marc. Ça veut dire que Ribéry, il a dû faire la drouette, hein, parce qu'il a morflé littéral, le mec. Oui, hein. Je suis désolé, hein. Voilà, donc on n'était pas du tout venu pour ça en plus. Mais si on était venu pour ça. Ouais. Il nous a dit qu'il vient défoncer tout le monde, alors on est venu défoncer tout le monde. On passe juste après le roi lion. C'était cool hein, le truc avant. Jean-Marc. Oui. Eh bien, donc. Oui, le roi lion, t'as compris, t'as pas... Ça y est. Ça a mis du temps à monter. Ouais, ouais. À la répétition, tu m'avais parlé de Zaya, non. Je crois. Ah oui, Zaya, oui. C'est ça qu'ils auraient dû naître, hein, Zaya, à la place de Laurent Blanc. Jean-Marc. C'est pas du tout son métier. Ah bon? Mais non. Elle est entraîneuse? Pas dans le même genre. C'est quoi son vrai métier? S'il te plaît. C'est quoi son vrai métier? Ah, voilà. Patrick! Non, Jean-Marc. C'est quoi une prostituée? Oh! C'est pas devant la Jamel. C'est... Oui, Janel, c'est quoi une prostituée? Jean-Marc, j'en ai aucune idée. Oui. C'est quelqu'un qui fait le trottoir, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Être à Zaya à des deux, bon, s'il te plaît. Mais c'est des ronds-points et tout, oui. C'est elle qu'on laisse l'état de notre radar, la connasse. Jean-Marc. Faut lui dire d'arrêter, ça fait chier tout le monde. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Tu vas saluer tous les invités qui sont... Et tu vas présenter le numéro qui va venir après, qui a été redemandé la dernière fois. Je salue tout le monde. Salut tout le monde, tu es content de les voir? Ah, il y a zéro. Moi aussi, je suis imitateur. Non, non, si je te fais un acte drôle. Non, non, si. Regardez, c'est comme ça que je t'aime. Quelle horreur. Arrête, c'est pas sérieux. Il devait travailler à France Télécom, Jean-Marc. C'est fini, oui. Okay, tu n'as pas balancé tous, sur tout le monde, sur Coé. Tu n'as pas balancé sur Coé, quand même. C'est qui? Coé, c'est celui-là. Là. Oh, merde. Il y a un trop de lune, quoi, Jean-Marc. Quand tu devrais faire de la radio, la télé, ça sert à rien, Jean-Marc. Tu n'as pas tous vu les animaux. Ils l'ont pas fini, Jean-Marc. Véronique Jeannot, elle est gentille. Ou alors ils ont monté à l'envers. Arrête. Véronique Jeannot, elle n'a rien demandé à personne. Tu peux pas. J'ai toutes les saisons de Julie Lescaut, zéro. Hein. J'ai tout vu. En DVD, hein. Bah, je suis content. Mais les premières saisons, sont en VHS. Tu balances pas sur moi, je suis content. Ça me va. Non, toi, c'est bon, toi, on sait tout, t'écris tout dans les livres. Alors, je vais montrer ma bite. Jean-Marc. C'est bon, là. C'est bon, là. Oui, content. Ah, quand on dit dit, t'es content, hein. Bon, et présente-nous le numéro qui a été redemandé de la dernière fois. Attends, le singe est exceptionnel, mais le jeune homme à côté, il a l'air d'être cool aussi. Mais c'est le jeune homme que je paye, pas le singe. Ils sont tous aidés dans le métier, c'est gaffe. Hein. Merci, hein. Malade, toi. Désolé. Bon, tu nous présentes super, le numéro. Super. Oui, merci, oui.
Tu te rappelles comment ça s'appelle? Ouais, c'était les... c'est en anglais en plus, ça. Secret of my soul. Voilà, Secret of my soul. Voilà. Je veux que ce soit lui qui il le dit. Il est content. Il a parlé anglais, il est content. Secret of my soul. Secret of my soul. Ils font du cerceau aérien. Voilà. On va être bien cherché dans la vie, les mecs, hein. Bien. Le nez qui s'est réveillé en attendant. Dis donc, chérie. Hé, hey, comment se réveille-toi? Ça te dirait qu'on fasse du cerceau aérien? Bah oui, j'y pensais justement hier soir, en regardant sa datier à la télé. Bon, on va peut-être aller voir un café avant, hein, Jean-Marc. Bon, cerceau aérien, quoi. Cerceau aérien, voilà, c'est ça. Et pourquoi pas jongler avec des saladiers, Jean-Marc? Parlez-vous. On fait que l'autre qu'on a une table. On aurait dû aller chez Drucker, au moins il est poli le mec, hein. Il s'appelle Jeff Panaclock.